Il fut un matin, quand je me suis réveillé, moi, maître, ah oui, ici, me voilà, me lever, aller me balader comme une sorte de sport. Et je suis tombé sur le lever du soleil, sur le fleuve Niger. Mohamed, un noir ici comme les grands Africains. Je me suis étalé au bord du fleuve. Les oiseaux, quand les oiseaux se réveillent à la course du jour, quand les gens se levaient pour aller travailler, quand les animaux se lèvent pour aller chercher quoi à manger, et moi je suis là à me promener au bord du fleuve. Avoir le même moment que le pêcheur se lève et se met vraiment dans son œuvre pour avoir quoi à trouver comme son œuvre. Et tout se passe autour de moi. Cela me donne une explication que l'homme n'est rien d'autre que l'œuvre de sa vie. Ah oui. Aimer l'inspiration de ces beaux paysages s'inspire en même temps des aspirs ambitionnés. C'est par n'importe quel artiste qui est en son avoir ces dessins magnifiques, ces beaux paysages, mais ça dépend de la qualité de l'artiste qui décortique un peu la nature, de comprendre et tout en respectant la nature des verdures qui se trouve sur l'eau avec son reflet magnifique. Mon cher, c'est du soir. On ne peut que remercier l'artiste. S'il est génie, tu es vraiment un génie. Je suis beaucoup adoré mon tableau. Je prie Allah Subhanahu wa Ta'ala de vous donner tout ce que vous voulez avoir dans un monde d'ici-bas et au-delà aussi. C'est vrai, avoir le courage de dessiner une personne valide à l'action réelle, mais avoir le courage de dessiner l'œuvre même de la personne en question, vaut l'or. Vous voyez l'or qui se trouve au niveau vraiment de ce beau matin. Cela veut dire que ceux qui se lèvent tôt ont leur sens. Merci. Merci les chiens.